Stop! Montre-moi ton invitation. Ouais, bien sûr. Voilà, je peux passer maintenant. C'est bon, tu peux rentrer. Merci. Stop! Où sont vos invitations? Hé, soldat, regarde à qui tu parles! C'est nous les organisateurs de cette fête! Désolé, capitaine, je vous ai pas reconnu. J'ai un rencard avec une jolie dame. Entrez, la fête va bientôt commencer. Bonne chance, la recrue. C'est ma meilleure histoire. Les boissons et les grignotines? Ouais. Musique et stéréo? Ils sont là. Ballons? Oh, j'ai oublié les ballons. Alors, fais vite d'en gonfler, la fête va bientôt commencer. Je comprends pas pourquoi la maîtresse vous a mis tous les deux en charge de cette fête. Pourquoi? Parce que Madame Nika est ma tante. Si t'aimes pas ça, sors d'ici. Ouais, cette fête serait bien meilleure sans toi. Oh, c'est n'importe quoi, cette fête serait nulle sans moi. Léona, ça fait un bout de temps qu'on sort ensemble. Dis, on peut s'embrasser ce soir? Le premier baiser doit être mérité. Chose que tu n'as pas encore faite. Mérité? Mais comment? Réfléchis-y, je suis certaine que ce sera difficile pour toi. Comment faire pour le mériter? Où sont vos invitations? Oh, allez, Harry, tu nous reconnais, mon pote. Ouais, on est tes amis. Je dois voir vos invitations. D'accord, d'accord. Chuck, montre-lui. Ouais, tout de suite. Eh bien, tu as les billets ou pas? Je crois que je les ai perdus. Tu te moques de moi? Comment on va entrer maintenant? Harry, on est de vieux amis. Laisse-nous entrer, la fête va commencer. Il s'agit d'une fête de Saint-Valentin. Qu'est-ce que deux gars viennent faire ici ensemble? Tu sais très bien ce qu'on est venu faire ici. Ouais, le 14 février est le jour idéal pour sortir avec quelqu'un. Vous savez très bien que l'entrée est fermée sans invitation. Alors décampez d'ici. On n'ira nulle part, si tu ne laisses pas entrer, on t'obligera à le faire. Ouais, deux boxeurs, comment tu vas t'en sortir, hein? Les boxeurs contre ma batte de baseball. Oh, on plaisantait, mec! Eh ben moi, je plaisante pas! Santé à tous! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh ben demain c'est la Saint-Valentin, alors je fais une boîte de Saint-Valentin. Tout le monde pourra envoyer un Valentin de façon anonyme. Ce sera super, je crois. Anonyme, tu dis, hein? Ouais, t'as quelqu'un à offrir en Valentin? Eh bien... Non, je n'en ai pas. Oh, allez, Mila, tout le monde a un béguin, voyons. Tout le monde, sauf moi. Dans ce cas, t'as pas besoin d'un Valentin. Je peux le donner à quelqu'un d'autre, alors. Donne-moi ça. Ah, je le savais. Maintenant, tout le monde peut laisser un Valentin dans la boîte. Archie, tu es si... Salut! Oh, Alice, tu m'as planqué une de ces trouilles! Qu'est-ce que tu fais? C'est pour Archie, ça? Comment tu le sais? Quelle question stupide! Pour qui d'autre tu écrirais un Valentin, hein? D'accord, t'as raison, ce Valentin est pour Archie. Et il dira, oh, qui est cette merveilleuse inconnue? Tellement meilleure que cette chipide Léona! Tu vas la signer alors, j'espère. Comme ça, il sera sûr qu'il vient de toi. Je suis sûre qu'il comprendra tout seul. Allons-y, je vais la mettre dans la boîte. D'accord. Faites place. C'est quoi ça, un Valentin pour Archie? Non, c'est n'importe quoi. Pourquoi je lui donnerai un Valentin, vraiment? Ouais, c'est ça. Parlons de toi. T'as écrit un Valentin pour Madame Nika? Oh, ça, c'est pas le mien. C'est pour un ami. Ouais, c'est ça. Tiens, lis-le. À Léona de la part d'Archie. Non mais ça va pas, Archie va me détester, merci. Dis-lui que t'as fait tout ce qu'il fallait, laisse-le croire que tu l'as perdu ou quelque chose. Celle-ci est pour Mademoiselle Nika. T'as vu ça? Je parie que ce Valentin est pour moi. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il est pour toi? Enfin pour qui d'autre? Aucun homme ne passera à côté d'une fille comme moi. Écoute, je reviens dans 5 minutes. Attends, où vas-tu? Je dois écrire un Valentin au nom de Kuzia. Je voudrais pas que Gilia s'énerve. Stop! Qui êtes-vous? Où sont vos invitations? T'es aveugle, mec, on est des livreurs. On apporte la délicieuse pizza pour votre fête. Personne ne m'a dit que les pizzas devraient être livrées, alors allez vous faire voir. Tu veux laisser les invités affamés? Tes supérieurs n'apprécieront pas ça. D'accord, je vais me renseigner, attendez un moment. Et pendant ce temps, la pizza refroidit. Et les invités resteront affamés et tu seras le coupable. Oh, d'accord, entrez. Ouah, enfin, on est entré à la fête. Ouais, allons trouver une fille. Ouais. Salut.
Moi, c'est Choc. Salut, moi, c'est Flora. Enchantée. Pourquoi une si belle fille est-elle assise seule par une nuit pareille? Parce que toute l'école me trouve bizarre, voilà pourquoi. Bah, ils sont jaloux de toi. Tu voudrais une part de pizza? Ouais, sûr. Ah non, c'est l'horreur! Qu'est-ce qu'il y a, un cafard? Non, mais c'est pire, il y a de la viande! Et moi, je suis végétarienne! Imbécile, t'aurais pas pu acheter une pizza végétarienne! Un pizza végé, ça craint! Hé, hey, mon pote! T'as pas peur de te faire envoyer? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qui es-tu, toi? Non, je passe par ici, c'est tout. J'ai entendu parler de cette petite fête. Pourquoi t'es ici seul? C'est une fête pour les couples. Je suis ici pour organiser ma fête. Ouais, dis ce que tu veux, mais je te laisserai entrer nulle part sans invitation. Peut-être que ça te fera changer d'avis. T'es sérieux? Tu penses pouvoir m'acheter avec ça? Bon, très bien, je suis convaincu. Qu'est-ce que tu veux, hein? Si t'acceptes de travailler pour moi, je te paierai bien plus que cette école. Travailler pour toi, mais qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi d'abord à faire quelque chose, tu veux? Il est midi, ce qui signifie qu'il est temps de distribuer les Valentins. Professeur, je peux vous parler une seconde? Oui, bien sûr, Flora, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a laissé une carte de Valentin pour vous. Un Valentin? De la part de qui? Je ne sais pas, les Valentins sont anonymes. Un Valentin de Cousia? Oh, c'est si gentil, merci! Ouais, tu vois, je t'avais dit qu'elle aimerait. T'es malade, c'est qu'une excuse pour pas t'offenser. Professeur, un autre Valentin pour vous, mais il est si gros qu'il ne rentrait pas dans ma boîte. Quoi, un autre Valentin de Cousia? Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Je lui ai pas écrit de Valentin. T'as de la compétition alors? Quelqu'un d'autre a le béguin pour elle. Oh, c'est un Valentin de la part du capitaine Roméo. Il écrit de si jolis mots. Oh, son Valentin était plus gros que le tien. Oh, ce foutu de capitaine Roméo. Gilia, un Valentin ici pour toi. Donne-moi ça. Kitty, je suis certaine que c'est de la part de Cousia. Il est écrit « anonyme et amoureux ». Qu'est-ce qui te fait penser que c'est Cousia? Eh ben voyons, c'est clair, je vais aller le voir. Gilia, attends, non! Des fois, je me dis qu'il est peut-être temps de rompre avec Léona. Bien sûr, c'est pas trop tôt, elle est affreuse, ça peut être raison. Cousia, je te remercie pour le Valentin, ça me fait chaud au cœur. Quel genre de Valentin? Je t'ai pas écrit un Valentin. Oh, t'es si humble, allez. Lâche-moi! Cousia, attends! Archie, il y a aussi un Valentin pour toi. Oh, c'est vrai, je peux le lire. Mila, regarde, on dirait qu'Archie est sur le point de lire ton Valentin. Enfin, j'ai vraiment hâte de voir son visage quand il le lira. Oh, comme c'est mignon, quel joli mot. Je ne croyais pas que Léona serait capable d'écrire ça. Oh. Bien sûr que c'est surprenant, c'est parce que c'est mon Valentin. Comment j'ai pu même penser à quitter Léona? J'ai pas toute ma tête. Je lui arrangerai un rendez-vous parfait demain. On dirait que ce Valentin n'a fait que renforcer leur relation. Mais comment se fait-il? Il a mon écriture et mes mots. Léona n'écrit jamais comme ça. Les mecs ne pillent jamais les indices. Ils sont tous des imbéciles. Photo! Cette fête est nulle, frère. Ouais, aucune fille ne veut sortir avec nous. Je crois qu'on organise une autre fête à l'école. Deux fêtes le même jour. Une fête élite pour les VIP et on y est invité. VIP? Il doit y avoir beaucoup de filles. Et on est coincé à une fête avec les perdants. Oh, allons-y, mec. Ouais, allons-y. Superbe photo! Attendez ici, on continue dans une minute. Regarde, on est invité à une autre fête, tu veux y aller? Tout de suite? Alors quoi, on quitte cette fête? Non, on va seulement aller voir et si elle est mieux, on va rester. D'accord, ça vaut le coup d'essayer. Les filles, je suis de retour. Elles sont parties. Kitty, dis, tu trouves pas ça étrange qu'il y ait de moins en moins de monde à cette fête? Oui, ils sont tous en train de quitter, mais où? Regarde, même les professeurs s'en vont. Madame Nika, où vous allez? Désolée, mais il y a une autre fête VIP qui se déroule dans la classe à côté. Ouais, on y est invité. Une autre fête? Je crois que quelqu'un a essayé de voler tous nos invités et de bousiller notre fête. Je crois que je sais qui a fait ça. Alors, tu te trouves drôle, hein? De quoi tu parles? Pas la peine de faire un semblant. T'as organisé une autre fête pour gâcher la nôtre. Ouais, il n'y a que toi pour appeler ça une fête VIP. Tellement t'es snob. Je sais pas de quoi vous voulez parler, mais s'il y a une fête VIP, on doit absolument y être. Allez, viens. Ok. Si c'est pas elle, alors c'est qui? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. On devra aller à cette fête. Allons-y. Oh, c'est donc ici que se déroule cette fameuse fête VIP. Les filles, où sont vos invitations? Harry, arrête de faire l'idiot. Tu connais nos noms. Désolé, mais vos noms ne figurent pas sur la liste. Pas d'entrée.
Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde était invité sauf nous? Quelqu'un s'est manifestement gâché notre fête. Hors de mon chemin, loser! La reine de la soirée est arrivée! Nous sommes ici pour la fête VIP. Monsieur Archie, tu peux rentrer, mais ton ami doit rester dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois être l'invité principal de cette soirée! Laisse-moi entrer! Désolé, Léona, mais ton nom ne figure pas sur la liste. C'est qui l'organisateur? Fais-le venir ici tout de suite! Je ne peux pas, il est très occupé par la fête, alors non. Attends! Je suis désolé, Léona, mais je veux vraiment voir ce qu'il y a là-bas. Si je suis pas là, tout le monde penserait que je suis un perdant, désolé. Mais qu'en est-il de moi? Au moins maintenant, c'est que c'est pas toi qui as saboté notre fête. Je demande de connaître le nom de cette personne impudente qui a décidé d'organiser cette fête. Et comment tu vas faire pour le découvrir, hein? Allez, nous devons obtenir cette invitation à la fête par n'importe quel moyen. Nous? Non, tu t'es trompé, y a pas de nous là-dedans. Ensemble, nous avons plus de chance, mais si tu veux pas, alors tant pis, reste ici. Gélia, elle a raison, on a plus de chance si on unit nos forces. D'accord, je suis d'accord, mais seulement pour un temps. Je ne comprends pas en quoi cette fête est meilleure que celle de plus tôt. Eh ben, les boissons ici sont plus savoureuses et la zone photo est bien meilleure. J'espère que Kitty sera pas vexée qu'on a quitté sa fête. Superbe photo, les gars. Vous pourrez voir la photo sur mon compte VIP Instagram. Qui est ce nouveau gars? Je ne sais pas, mais on dit que c'est lui qui a organisé cette fête. Et Léona n'est pas ici, ce qui rend les choses bien meilleures. Je vois que t'as décidé de laisser ta Léona, finalement. Ben, le garde a pas voulu la laisser entrer, elle figurait pas sur la liste. Et t'as le culot de venir sans elle? Bien joué, maintenant la prochaine étape, c'est de rompre. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demain, c'est le 14 février, la Saint-Valentin, et t'as laissé la fille toute seule pour traîner. Oh, je suis un connard, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais rien, mec, relax et amuse-toi. J'ai une idée, je vais l'inviter à un rendez-vous dans une maison de campagne. Vraiment, et t'as assez de fric pour ça, toi? Bah, je vais vendre mon téléphone, peut-être qu'alors je gagnerai mon premier baiser. Tu sais quoi, j'en ai marre de tout ça. Merde, Chuck, t'es sûr que c'est la bonne fête? Ouais, le gardien de sécurité a dit que c'était ici. Alors pourquoi c'est toutes les mêmes filles qu'à la première fête, hein? Je sais pas, je l'ignore. Eh les gars, vous voulez faire un peu d'argent? Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? L'un d'entre vous doit passer des collations et l'autre des boissons. Ok, on a l'heure des serviteurs, hein. Mais tu sais, ça fait pas de mal d'aider. Y'a rien d'autre à faire de toute façon. Alors, t'as un plan pour entrer dans cette fête? Ouais, distraire le garde. Et comment on va faire ça? Réfléchissons. Qu'est-ce qu'on sait de ce type? Eh bien, il s'appelle Harry et il est agent de sécurité. Mais le plus important, c'est qu'il est un homme. Et qu'est-ce que les gars aiment? Les jeux vidéo et le sport? Les filles! Ils aiment les belles filles! Tu veux draguer Harry? Non, moi je suis trop cool pour lui, mais toi? Hein? Hé, qu'est-ce que t'es en train d'insinuer? J'ai entendu dire que Harry parlait de toi à la fête. Alors tu me demandes de draguer l'agent de sécurité de l'école? C'est non, pas question. Allez Kitty, tu distrais le garde, nous on s'est mis à la fête et on découvre qui est derrière cette fête VIP. Et c'est notre seule chance. D'accord, je vais essayer. Je peux t'offrir un verre et de quoi grignoter. Merci. Mila, regarde, on dirait qu'Archie s'ennuie tout seul. Ouais, c'est l'occasion rêvée pour moi d'aller le voir. De quoi j'ai l'air? Super, comme toujours. D'accord, demande à quelqu'un de mettre de la musique romantique et je vais foncer, c'est l'heure. D'accord, bonne chance. Salut Archie, tu t'amuses? Que dirais-tu de danser avec moi? Je sais pas, d'habitude je danse avec Léona. Mais elle est pas là pour l'instant, alors tu peux danser avec moi? Archie, écoute... Mila, je sais ce que tu vas dire, et s'il te plaît, ne le dis pas, tais-toi. Léona et toi ensemble, ça ne fonctionne pas. Elle n'est pas digne de toi. Et en quoi ça te regarde? Léona et moi, on est un couple formidable. Elle se sert de toi. Et en quoi Léona est meilleure que moi? Pourquoi tu ne peux pas me donner une chance? Oh, Mila, écoute... Je te ferai à manger tous les jours. J'ai pas besoin qu'on m'emmène dans des cafés, et j'ai même pas besoin de cadeaux. Je suis une fille simple. Tu sais pourquoi t'as pas petite amie, Mila? Pourquoi? Parce que t'es pathétique. Mila, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, viens, sortons d'ici. On en a eu assez de cette fête. T'as pas honte d'être aussi grossier avec Mila? Oh, je sais pas. C'est sorti tout seul. Elle est prête à tout pour toi et toi, tu cours après une idiote. Les amis, avec qui vous pensez que je devrais sortir? Mila ou Léona? Donnez un like si vous voulez qu'Archie s'excuse auprès de Mila. Oh, je suis fatigué de les regarder ensemble. Veux-tu un verre? Oh, pourquoi pas? C'est pas un peu trop pour toi? C'est pas pour moi, c'est pour... un ami.
Mademoiselle Mila, vous voudriez un verre ? Oh, Cousia, t'arrives juste à temps. Le capitaine et moi, on danse et on est essoufflés. J'ai fait plus que ça sur la place des armes. Voilà, capitaine, celui-ci est pour vous. Ou celui... Soldat, qu'est-ce qu'il y a ? Rends-moi ça. Je crois que vous devriez échanger. Pourquoi ? C'est la même chose dans les deux, non ? Quel ennui, je crois que j'ai mélangé les verres. Oh non ! Alors, Miss Nika, on continue notre danse ? Je ne me sens pas bien tout à coup, je crois que j'ai besoin de me reposer. Oh d'accord, je vais faire le guet jusqu'à ce que tu reviennes. Je suis un imbécile ! Je t'ai dit que tu pouvais pas entrer à cette fête. Je suis pas venue pour la fête, je suis venue pour toi. T'es venue me voir. Ouais, tout le monde est parti et... T'es tout seul alors, je peux te tenir compagnie ? Je ne peux pas, je dois être ici pour les invités. Mais tout le monde est déjà à l'intérieur. Allez, ça doit être fatigant. En fait, oui. Et si on allait jouer à un jeu vidéo ou manger de la pizza ensemble ? J'aime bien la pizza. Étape numéro 2, punir la crapule qui a organisé cette fête. Mais Léona, on sait même pas qui on cherche. C'est facile, cherche quelqu'un qui n'était pas à la fête, c'est tout. Oh lui, c'est la première fois que je vois ce type. Malheureusement pour lui, ça sera sa dernière fête. Ouais, allons lui donner une bonne raclée. Écoute-toi, personne dans cette école n'a le droit de m'interdire quoi que ce soit. Léona, toi, tais-toi, je m'occuperai de toi plus tard. T'as gâché notre fête, pour ton info, j'espère que tu t'excuseras. Oh Léona, Léona, tu ne changeras jamais. Vous vous connaissez? Non, c'est la première fois que je le vois de ma vie. Je me suis bien occupé de toi, je t'ai envoyé des cadeaux et des fleurs, mais tu m'as jamais remarqué. Léona, c'est ton ex, lui ? Je ne me souviens pas de tous les gars qui m'ont dragué, ok ? Je m'appelle Box et maintenant je vais étudier à cette école. Tiens, c'est pour avoir gâché ta fête. J'espère que c'est suffisant pour me pardonner. Allez, à plus. Waouh, pas trop mal ce type, en fait. Léona, je tiens sincèrement à m'excuser. Tu m'as laissé toute seule le jour de la Saint-Valentin. Tu vas devoir faire plus que ça pour que je te pardonne. Je sais, c'est pourquoi nous partons demain en vacances dans une maison de campagne. T'as assez d'argent pour ça ? Ouais, j'ai vendu mon téléphone et mis ma montre en gage. Nous partons dès demain. Archie, t'es le meilleur petit ami du monde ! Archie, pauvre connard !